Oh là là, José, il faut qu'il s'améliore là, il va se mettre au sport. Salut, pas les bleus, ah, ça suffit de la plaisanterie. Ouais, je tiens pas, non, je rigole, c'est une boutade. Allez, j'espère que vous êtes tous très bien, vous avez compris, c'est la nouvelle année bientôt, là, enfin c'est minuit, bref. José a pris ses résolutions, il doit se mettre au sport et perdre cette bidoche. Bref, allez, je vous laisse voir ce bêtisier. On se retrouve à un certain moment et on se retrouve bien évidemment pour le mot de la fin. C'est que la première partie, il y aura une deuxième partie. Autrement, ça fait trop long dans la ligne. Deuxième partie, on verra quand, peut-être dans un mois. Bref, allez, à tout à l'heure. On recommence par le rugby et le loup avec le parcours du loup l'année dernière en phase finale du top 14. Match face à Montpellier qui a permis au Loup de se qualifier pour les phases finales et le match à Toulon. Pour le moment, je suis satisfait. On gagne à la mi-temps 17-10. On va y aller en quart de finale. Bah, espérons. Allez, hein. À Toulon. Ouais, ou à Toulouse, on verra. Ouais. Bon, allez, on y va en quart de finale. Réaction. C'est bien 6-0. C'est bien là, la courbe. On est en demi. C'est cool.
Et ils sont où? Et ils sont où? Les Toulonnais. Putain, on va pas partir premier. Toulon, Bougera, oh Bougera, oh la vie chez toi. Oh Bougera, oh Bougera, on a tout cassé chez toi. Tu dois avoir regretté d'avoir dit cette... Génial, génial. Jean-Michel. Yes. Jean-Michel, on va tout casser chez toi. C'est le loup poussé. On parle ma gueule. Ici, c'est le loup. Ici, c'est le loup. Ici, c'est le loup. Ici, c'est le loup. On est chez nous. Allez, les photos, on part. Nous, Toulon, on rentre à la maison. Sur Lyon. Maintenant, on va voir les jeux vidéo, un truc trop drôle. Un gars à poil sur YouTube qui passe maintenant que son fils fait une vidéo. Vous vous reconnaîtrez qui c'est. Bon, bref. Victor Sagan dans l'échappée. Ah, c'est son frère. C'est son frère, mon gars. Oh, tu viens là. Putain, je suis dans le peloton. Bon, retourne. Et puis la Coupe du Monde, un des plus grands moments de l'histoire de la chaîne, avec des boutades, tout ce que vous allez voir, bref, regardez ça. Salut les footix, on se retrouve à nouveau sur la chaîne Jeux Anigo Foot pour débriefer ce match de la Coupe du Monde entre la Russie et l'Égypte, le deuxième match de cette phase de poule côté groupe A et avec la qualification de la Russie officiellement pour les huitièmes de finale. Mais par contre, il nous manque José. Mais José, il est où? Ah bah non, il peut pas rater deux matchs dans la même journée. José! Oh, ramène-toi! José! Bon, allez, c'est pas grave. On commence direct. Sans lui. Donc, le match, je le disais... Arthur, t'as encore de la vodka? Pourquoi tu veux de la vodka, José? Bah, pour faire comme les Russes face à l'Égypte. Comment ça, comme les Russes face à l'Égypte? Bah, ils ont mis de la vodka. C'est leur truc à eux. Bah, quoi? C'est leur truc à eux? Tu compares pas l'Egypte à la vodka quand même? Non, c'est le truc des Rostov, la vodka. Ils se bourrent la gueule avec. Bah, t'es en train de comparer l'Egypte avec la vodka? Bah non, les Russes ils boivent la vodka. Ils boivent les Égyptiens comme ils boivent la vodka. Oui, oui, je compare. C'est pareil. Oh là 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 là. Bon, allez, et autant pour le débriefing. La vodka, c'est un meilleur goût que les Égyptiens. La Russie, qualifiée ou pas? Ouais, ils vont être champions du monde. Champions du monde. José annonce déjà la Russie champion du monde. Enfin bref, on va un peu plus de sérieux avec ce blaireau. Et puis on va commencer à débriefer ce match. Alors, ça commence avec notamment la titularisation d'Artem Zuba. Et on est qualifié. On en huitième, on en huitième, on en huitième. Salut les amis, on se retrouve pour le débriefing du match France-Pérou. Salut les potos, c'est José Anigo Foot, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief entre Danois et Français. Alors les Français, nul, 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 c'est tout ce que j'ai à dire, salut. Non mais José, reviens.
Reviens, José, arrête, reviens. Quoi? Ah oui, dernière chose. Giroud, c'est plus. Giroud, c'est bouffe tout parce qu'il rate toutes les occasions. Allez, c'est bon. Mais non, alors allez, reviens. Viens, on va débriefer le match comme il faut parce qu'il y en a des choses à dire. Et bien plus que cela. Et c'est bien tout à dégager, l'équipe. Ah bah alors, je pense que comme José, on est beaucoup très déçus de ce match. Dont on a parlé, et puis à la 68e, c'est peut-être l'entrée du capitaine Dagon, voilà. Nabil Fekir. Donc l'entrée de Nabil Fekir, du meilleur milieu offensif du monde, je ne comprends pas. T'as le meilleur milieu offensif du monde, tu t'appelles Didier Deschamps, t'es sélectionneur de l'équipe de France, t'as le meilleur milieu offensif du monde qui est dans ton équipe, mais tu ne peux pas jouer. C'est comme avec Benzema et l'affaire de la sextape, que t'as un des meilleurs attaquants pointe du monde quand il veut jouer, et tu le prends pas, mais tu le prends pas pour des trucs extra sportifs qu'on en a rien à branler, qu'on s'en bat les couilles. Voilà. Non mais calme-toi pour ces mots-là. Calme-toi José. Salut les amis, c'est la team José Nigofit. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour le débriefing de ce choc entre l'anglais et belge. Donc avant de commencer le débriefing et le résumé de ce match, je vous rappelle le concours, la vidéo dans la description, avec les modalités pour pouvoir participer à ce concours et pour pouvoir gagner le maillot de votre choix. Donc tout de suite, je vais commencer le débriefing. Bon, il n'y a encore pas José, hein, il n'est jamais là celui-là. Comment ça? Qu'est-ce que tu fais, José? Les Anglais, ils ont... C'est des frites, des frites, des frites. Les Anglais, c'est des frites, des frites. Ah là! Les Anglais, c'est des frites, des frites. Mais qu'est-ce que tu fais? La 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 la. Arrête. Mais qu'est-ce que tu fais, José? Des frites, des frites, des frites, des frites, des frites, des frites. Des frites, des tuches. Des frites, des frites, des frites, des frites, des frites. Non, bon, allez, arrête-toi. D'accord, on cuisine. Ah non, on cuisine des frites. Non, bon, alors, pendant que je cuisine des frites, on va quand même débriefer le match. Donc, on va débriefer ce match. Non, José, sérieusement, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Sérieusement, un match de merde, comme pour tous ces matchs de la FIFA World Cup 2018. Un match de merde, comme ces patates. Non, bon, ça, plus sérieusement, c'est vrai. Salut les amis, c'est José. On est qualifié. Cocorico, Cocorico, Cocorico. Le Gaulois Mbappé. Cocorico. Que je t'aime. Que je t'aime. Que je t'aime, mon petit Kiki. Que je t'aime. Ouais, c'est bon, on a compris. La France est qualifiée. C'est imposé pour un match de folie. Oh, 98. C'est imposé dans un match de folie. Le plus beau match de cette Coupe du Monde avec un 4-3 pour l'équipe de France. Quel match. Zinedine Mbappé. Quel match. Double Zinedine Mbappé. Quel match. C'est bon, allez José. Allez José, on débrief le match. Allez les bleus. Allez José, on débrief le match. Les amis, c'est la team José Nigofut. On se retrouve pour un nouveau résumé et débriefing d'un match de la Coupe du Monde. Juste avant, on vous rappelle quand même le concours en description de la vidéo pour gagner le maillot de votre choix. Ouais, José, allez, c'est le débriefing maintenant. Le match, il est pas terminé. C'est le débrief? Bah ouais. Ah putain, j'ai trop bu de vodka, je veux passer à l'eau. Pourquoi t'as trop bu de vodka? Bah parce que l'Espagne, ils ont mal joué. L'Espagne, ils ont mal joué? L'Espagne, c'est quoi? Comme les Égyptiens, c'est de la vodka. L'Espagne, alors, c'est de la vodka. Alors pour enlever je prends de l'eau, ça. ça me fait enlever l'alcool. Bah, José, t'as quand même pensé d'un match, non? Ouais, quand même. Regardez ce que j'en fais de la question de l'Espagne. Mais l'Espagne est qualifiée, donc la Russie continue son bonhomme de chemin. T'as dit l'Espagne est qualifiée. L'Espagne est éliminée, la Russie continue son chemin dans sa Coupe du Monde. Salut Andrés. Et oui, après Cristiano Ronaldo, après Lionel Messi, il fallait bien qu'un autre grand du football s'arrête là. C'était Andrés Iniesta pour son dernier après match de Coupe du Monde. Après Didier Buffon, il y a 6 mois de ça. Voilà, donc c'est la fin des grands et donc aucun grand pour l'instant ne gagnera donc cette Coupe du Monde. Salut les amis, c'est la team José Nigofit. On se retrouve encore une fois pour un nouveau débriefing des nouveaux 8e de finale Brésil-Mexique. Mais avant de commencer à débriefer et à résumer ce match, je vous rappelle le jeu concours dans la description pour gagner le maillot de votre choix. Arrête, arrête, j'ai trop mal, s'il te plaît, arrête le débriefing. Non, José, débrief. Mais pourquoi tu fais ça, José? Je vais marcher sur la cheville. Allez, José. Tiens, José, parle. Débriefing. Salut les amis. Alors vous avez compris ces petites simulations, on en parle beaucoup. On se retrouve du coup pour Brésil-Mexique. Alors,
Le Brésil a été dominé tout le match, à part une demi-heure, j'ai envie de dire. Alors, on peut critiquer que les petites équipes sont à 10 dans la surface, mais là, on a vu l'inverse entre ces Brésiliens de merde qui étaient à 10 dans la surface, alors que les Mexicains dominaient le match, à part une demi-heure dans le match. Après, on parlera d'ailleurs du flop là-dessus. Putain, ces satanés anglais là, ces rose beef là. Ce Kane là, ce pénal Kane là, 3 pénalties dans une Coupe du Monde. Et après, ça me parle que c'est un meilleur buteur. Et ça fait que de chercher la merde en plus. Allez, faut qu'on débriefe, mais moi ça m'énerve. Mais ça m'énerve. Arthur, allez, viens, on débrief, c'est pas grave. Oh, José, calme-toi. Non, mais oh, ça m'énerve. Oh, José. Les anglais de merde. Oh, salut les amis. On va calmer José parce que là, il est en train de taper l'Angleterre tout entière. Ouais, avec cette écharpe là du 15$ rose, je vous la montre. Ouais, enfin, c'est parti, on débrief. Ça t'a l'air d'être énervé, José. Ouais, ces Anglais de merde, là. On s'étonne que les Colombiens, ils font des fautes. Mais après, c'est eux qui cherchent la merde, les Anglais, en simulant et compagnie. Ils nous emmerdent en étant avantagés avec, par les arbitres. Ouais, mais sinon, faut parler du match, quand même. Ouais, alors le Young qui avance 2 mètres les ballons sur les coups francs, ça mérite jaune, je suis désolé. Alors que ça soit 50 cm le reculé ou d'avancer comme Balbuena, d'accord, mais pas 2 mètres ou 3 mètres. Bon, tu parles du match, j'ai fait de jeu et tout ça quand même. Des demi-temps de merde avec un. Salut les amis, c'est Atif, les amis. Le bleu sont champions du monde, 20 ans après. Ils ont aidé la Belgique. Pas 20 ans après, 12 ans. Oui, non, mais 20 ans après, 98, la France est en finale. Oh non, peut-être 20 ans après, la France ça sera de nouveau champion du monde. En tout cas, voilà, on se retrouve pour le résumé et le débriefing de France-Belgique. On en finale. On les a tous baisés. Donc, les Belges, les Français font des meilleurs frics que les Belges. Que je t'aime, Umtiti. Voilà, donc juste avant de commencer le débriefing, on rappelle le concours. Marcel Umtiti. Il reste plus que 5 jours avant le tirage au sort pour gagner le maillot de votre choix. José, bon sang! Quoi? T'as rien oublié? Quoi? Eh ben aujourd'hui, t'as pas la petite finale? Arrête de jouer là! Oh, c'est fut champion! Eh ben il faut tourner maintenant! Oh, allez, vous m'énervez! En de la patrie, et le jour de gloire est arrivé! Contre nous de la tyrannie. Mais pourquoi tu chantes? L'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes. Oh là, t'es pénible, allez, stop, hein. Oh, ces soldats qui viennent. Allez, arrête-moi ça. C'est 22h30, José. Officiez vos campagnes. 14 juillet, c'est bientôt fini. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, car sans impur. Si ton collègue voit ça, il va trouer dans les brancards. Hein. Quoi? Aux enfants de la patrie, c'est la Marseillaise, on est le 14 juillet. Bonne fête à tous les gens qui sont morts pour nous, pour qu'on ait droit au vote. Bonne fête à tous les Français. Salut les amis, c'est José Nigofut. J'espère que vous allez tous très bien. Pas la Weberec. Voilà, petite intro, nouvelle. Réaction. C'est nul. Pourquoi? On sait rien. Alors, qu'est-ce que t'en penses? T'en penses quoi? On verra bien. On va gagner. Je sais pas. Bon, d'accord. Les Croates vont marquer en deuxième mi-temps. Maintenant, c'est le retour des matchs de club avec la Coupe d'Europe et le premier match. Un match de Ligue 1 où il y avait des trucs drôles. Autrement, le reste n'était pas si drôle que ça. Donc, c'est ce match Lyon-Caen. Vous allez voir quand Monsieur Arthur a fait un gros coup de gueule. Je vous laisse voir ça. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. On se retrouve pour le débrief entre mes filles. Oh, José, qu'est-ce que tu fais, José? Ah, bah, je prépare les oignons et mes tomates pour le kebab. Mais qu'est-ce que tu vas faire du kebab? On a plus de viande, José. Comment ça? Bah, non, les Portugais, ils ont tout mangé. Benfica, il a mangé Fenerbahçe. C'était du kebab. Comment? Bah, oui, tu dois arrêter, hein.
Eh merde alors. Tiens, résume le match à la place. Ah, ça doit te faire. Bah non, 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 on résume le match. Bon, alors vous l'aurez compris les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le retour de José, Team José Nigo. Après les vacances. Voilà. Et donc on aurait dû voir à la page, hein, sur la page Instagram. Ouais, voilà, vous avez pu suivre quand même José sur la page Instagram. Donc on se retrouve pour le résumé de ce match entre match retour entre Fenerbahçe et le Benfica Lisbonne. Bon bref, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief où Stan a l'arbre de camp. Ouais, on va s'engueuler parce qu'on n'est pas d'accord sur des petits trucs. Oui, bon, ouais. Non, avant de commencer la compo et tout, faut dire les choses claires comme elles sont. Parce que là, on va débriefer un match. Non, faut pas débriefer un match. Faut débriefer la situation de l'Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas, tu fous quoi? Tu sers à quoi dans ce putain de club? Tu sers à rien. Ça fait ok, ça fait 30 ans que t'es là. Ok, tu nous as fait monter en Ligue 1. Ok, il y a eu 7 titres, mais t'es plus compétent. Y a plus rien à faire. Faut virer. Alors, les mecs qui le sucent, les mecs de 50 ans, là, de 60 ans qui le sucent, ouais, Aulas, machin, arrêtez de le sucer. Ils nous mytho, ils nous aiment pas les supporters, ils nous insultent, il nous supporte pas, il nous insulte, il en a rien à foutre de notre gueule, Aulas. Il maintient Genesio alors qu'il sait très bien qu'il est nul à chier. Tout ça parce qu'il veut commander le club. Il veut pas d'un entraîneur avec un bon niveau. Il faut arrêter. Ça, on est tout le temps. Regardez, il est attends ta gueule. Il est tout le temps en train de se plaindre du Paris Saint-Germain. Du Paris Saint-Germain avec son argent. Et c'est Paris Saint-Germain qui nous fait perdre contre Caen. C'est Paris Saint-Germain qui nous fait perdre contre Reims. Non, faut arrêter. Non, c'est bon. Faut arrêter. C'est pas le Paris Saint-Germain qui nous fait perdre contre Reims, contre Caen et tout. Contre Nice. On relance. Quand ça faisait, je sais pas combien de temps qu'ils avaient pas gagné à domicile. Alors certes, ils ont pas gagné là, mais pour moi, ils ont gagné à 11 contre 10 pendant 35 minutes. On a failli perdre le match à 11 contre 10 pendant 35 minutes. C'est gardien, l'autre, c'est pas une chèvre en face. On gagne pas le match, on perd 2-0. Voilà le problème. Voilà. Et puis moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous faites votre débriefing, c'est tout. Pour nos supporters, là, tu vas revenir par respect, là, les spectateurs. Bon, bref, oui, là, je suis d'accord, Aulas. Lui, il pense qu'au fric. C'est Jean-Michel Picsou. C'est Jean-Michel Picsou et il veut pas d'un nous grand entraîneur. Nous on veut faire la Ligue des Champions, on va prendre 6-0 et Pépito. Il veut pas un grand entraîneur parce qu'autrement il va lui demander un petit chèque pour faire des recrutements. Et monsieur est radin comme la pierre. Après, de demander que Genesio et démissionne, je ne vois pas pourquoi. Lui il prend son fric. Il fait son boulot. Ouais, il met des high kicks sur le mec. Il est bourré à 5h du matin, tout ça parce qu'on veut prendre une photo avec lui. Il commence à se vénère. Tu rentres chez lui, là, il fait le malin. Nanana, bref, c'est pas lui démissionner, ça Aulas. Ouais, si tu comprends ce qu'on te dit, les critiques, et ben alors prends tes clés et tes claques et casse-toi du club. On ne veut plus à Lyon. On ne veut plus les supporters. 90% des supporters te veulent plus, à part les petits mecs là qui sont là, les petits vieux de 80 ans là qui ont encore leur histoire avec Floridinello et tout. Lyon c'est plus ça, on joue plus la 10ème place, Lyon on joue la Coupe d'Europe, on joue le titre. Bon, laisse-moi parler. Non, 280 millions d'euros de budget, 80 millions de plus que l'Olympique de Marseille, et on va être à 4 points de Marseille ce soir. On est déjà à plus de 10 points de. On a presque 10 points de Paris. Faut arrêter 5 minutes. Bon, après, c'est pas génial de démissionner, ça vous laisse de le virer. Bref. Maintenant, on passe au compo, et puis il y a l'arbitrage totalement dégoûté. Non, arrête de parler de l'arbitrage. Il y a au moins plus d'une minute à rajouter de temps additionnel, il n'y avait pas 4 minutes, il y en avait au moins 6. On perd pas à cause de l'arbitrage. Parce que le pénalty sur Beauvue, c'est carton jaune pour simulation, et en fin de match, c'est un pénalty pour l'OL, il y a une main dans la surface. Non. José, lui, il est complètement KO dans sa tête, lui aussi, c'est encore un mec qui supporte Aulas et tout le bâtre. Bon, allez, passe au compo, et comme ça, on dépêche, parce que j'ai pas envie d'en parler. Les compos avec. Lopez dans les cages, Denayer, Marcelo qui pue la merde, cette défense à vrai dire, elle est dégagée les deux. Mendy, Raphaël sur les côtés, en latéral. Le milieu de terrain avec Touza, Ndombele à voir sur un côté en ailier gauche. À droite, Bertrand Traoré, en pointe Moussa Dembélé. Et en numéro 10, en milieu offensif, le capitaine Nabil Fekir. Avant de dire que tu disais tout à l'heure c'est pas à cause de Paris, je sais pas quoi, l'année dernière il y a au moins 10 matchs où ils ont acheté l'arbitrage. Mais avant les tailles, on n'est pas là pour débriefer Paris. Là, on est là pour débriefer Lyon. Laisse-moi parler, alors t'enlèves 30 points à Paris l'année dernière, ils n'étaient jamais champions de France. Bon bref, maintenant on débriefe. Non, beaucoup c'était la première de Moussa Dembélé, donc il a pris de la tête. Alors ok, il a pas été bon, déjà ça fait que 2 entraînements qu'il avait pris, donc on va pas lui jeter la pierre. Mais vous pourrez mettre avec cette équipe, ce système de jeu et ce super plan de jeu que nous affiche Bruno Genesio depuis 3 ans, vous pourrez mettre Cristiano Ronaldo en pointe de l'attaque lyonnaise, ou n'importe qui vous voulez, si vous voulez Messi, n'importe qui, il ne marquera pas un but.
Ils ont pas un ballon, nos attaquants. Il a pas un ballon, notre attaquant. Fekir, il sert à quoi? C'est bon, ça y est, les champions du monde. Ça y est, il se la croit, machin, il a mis un coup franc. Il a mis un coup franc, il le tire sur le gardien. Si le gardien, il bouge pas comme un blaireau, il le marque pas, son coup franc. Alors arrêtez de sucer tout, Fekir, déjà qu'il commence par arrêter là, avec, en faisant le mec, voilà, toutes les 5 minutes. C'est bon. Fekir, ok, c'est une star, machin, nanana. C'est bon. C'est quoi, t'es dégoûté de pas avoir été à Liverpool? Mais vas-y à Liverpool, re-signe pas. L'année prochaine, c'est bon, tranquille. Tu te barres à Liverpool. T'inquiète pas, pour 20 millions d'euros on te lâchera. Allez, casse-toi, vas-y, c'est bon. Oh, faut arrêter un petit peu. Memphis Depay, je t'adore, mais arrête-toi, Pélo. T'es toutes les 5 minutes en train de dire que tu vas aller dans un grand club. Bah, marquons quand déjà, putain. Marquons quand, fais une passe décisive, fais quelque chose. Non, tu fais rien. Donc, ça va être très rapide de débriefing. Y'a rien eu pendant tout ce match. Lyon, on a eu qu'une occasion en première mi-temps à part. Cette vidéo vous aura plu, mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo. Voilà, la vidéo bêtisée est maintenant terminée. On va pouvoir faire des vœux, 24-25 minutes de vidéo, donc ça fait un peu long. C'est pour ça que ça sera en deux parties. Donc mes vœux, bah, avoir le double d'abonnés qu'on a, bien évidemment, mais c'est un peu rétrogradé parce que j'ai pas pris soin de ma chaîne, mais voilà, et puis repasser les mêmes moments qu'on a passés ensemble et. Bah, c'est un bon moment le 19 février prochain déjà pour commencer au Camp Nou, au Groupama Stadium face au Barça. Voilà, une qualification pourquoi pas et passer d'autres moments, rugby, football, Tour de France, on verra, bref, jeux vidéo, tout ça. Voilà, pour vous, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, surtout la santé, c'est le primordial. Et prenez soin de vous et de votre famille. Allez, bonne année, bonne santé et Kichette Pali, salut.